c'est Lucas du site newproducer.com. J'espère que t'as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur une grosse instru, comme tu l'as écouté, style. Alors, je sais pas si on dit XXXTentacion ou si les 3 X, on les prononce en 1 X. Donc, ça fait style XXXTentacion. Vous me direz ça dans le commentaire. Petit point culture. Donc, du coup, grosse instru un petit peu dans le style, dans la vibe XXXTentacion. Donc, je vais te déconstruire tout ça. Je vais te montrer pas à pas ce que j'ai fait. Et c'est parti. Donc, premier truc, je suis parti d'un petit riff, d'une petite mélodie qui donne ceci. Donc je vais te la refaire comment je l'ai trouvé. Donc ça, je l'ai trouvé avec mon piano. D'ailleurs, je t'ai mis la caméra en fonction que tu voyais mes notes. Donc j'ai commencé à tapoter sur mon piano, chercher une petite mélodie, et ça donne ça. Nice, on record, boum, on le met sur le piano roll. On ajoute un petit EQ, un petit sidechain et un petit tap stop. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Ok, donc le tap stop, j'avais déjà monté ce que c'était. C'est un petit plugin assez sympa, le plugin Glitch. Je te le remets dans la description et tu peux faire un petit effet du coup comme tu l'as entendu là. Tu joues. Un petit effet de ralenti comme ça qui est assez utilisé en trap. Donc... ok, j'ai mon petit sample. Je vais commencer par construire ma base rythmique. Donc je vais ajouter un top kick et un snare. Donc là, je commence à construire ma base rythmique. C'est parti. Attends, je te remets le sample. Ok. Donc du coup, une fois que j'ai trouvé un petit peu mon vocal comme ça, mon petit élément principal, j'ai construit ma petite rythmique avec mon top kick et mon snare, j'ai mes points d'impact, donc je vais pouvoir aller chercher ma 808 et la faire glider. Donc tout ça, c'est du sérum, ok? Et donc ça a donné ceci. Je te fais écouter ça. Dans Serum, on va vraiment faire monter le master un petit peu à fond pour faire un petit peu ce style de saturation, d'accord, qui est dans... Que XXXTentacion a dans ses, un petit peu ses 808. Excuse-moi pour le... Voilà, ok. Donc on a trouvé notre petit point d'impact. On le pose, on voit ce que ça donne. Ok, donc rien de plus compliqué. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Tu peux remarquer que... les drums sont un petit peu vides, d'accord? Ça manque un petit peu d'éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rajouter des hi-hats, ok? Donc, des petits hi-hats. Et là, je vais construire vraiment des bons roulements. Donc, premier truc, je construis des roulements. Donc, pour ça, tu sais, j'utilise le petit onglet qui est ici. Tu peux mettre en 1/16 de step, 1/3 de step, demi-step. Et tu peux construire vraiment des très bons roulements de hi-hats. Et deuxième technique que je leur applique, c'est les techniques du panning, ok? Vraiment jouer avec la stéréo un petit peu de ton track et aussi remplir un petit peu ton track. Donc du coup, ça va passer de gauche, droite, gauche. Voilà. Ok, je vais un petit peu embellir la deuxième partie du drop, ok? C'est assez important d'apporter différents éléments sur ta deuxième partie de drop. Donc je rajoute des petites rides, juste un petit mouvement. Ok, et dernière automation que je vais faire, c'est un truc qui est assez sympa, c'est de panner aussi tes snares. Donc, ok, et là tu joues avec le bouton pan encore une fois. Qu'est-ce que ça donne? Je te remets en mute pour que tu entendes bien. Gauche, droite, voilà, c'est assez sympa. Ça se fait aussi sur les kicks, en ce moment ça commence à bien se populariser, le fait de un petit peu panner aussi ces kicks. Je vais essayer de te le faire en temps réel. Voilà, je te l'ai fait en réel, tu vois, ça aussi ça se fait assez souvent, c'est assez sympa. Donc voilà pour du coup mes snares panés et mes hi-hats aussi. C'est assez important un petit peu de remplir ta rythmique, de pas rester sur tes acquis comme ça, d'ajouter des éléments. Donc ça peut être aussi des percus, des toms,
snare roll, beaucoup plus de choses, ok. Et donc pour finir, je vais un petit peu remplir tout ça avec mon habillage, mes FX. Je mets un petit truc devant, je mets des chimes. Et le petit FX assez cliché mais qui fait le taf. Voilà, après je vais rajouter des impacts, petites sirènes qui font le taf en trap, même si c'est cliché, ça fait le taf. Et pour finir, je vais te montrer mon voice tag. Donc ça, je l'ai enregistré avec ma voix et après je l'ai pitché. Donc je t'apprends à le faire dans la formation de trap de A à Z, c'est pas compliqué. Mais c'est juste 2-3 techniques de panning, d'autotune, etc. qui te font un bon voice tag, je te refais écouter. Si tu veux savoir ce que j'ai mis dans mon master, nada, que dalle. Pourquoi? Parce que j'utilise des sonorités de qualité, des samples de qualité. Du coup, j'ai rien à mettre dedans à part un petit limiteur pour un petit peu monter un petit peu et faire saturer tout ça. Comme le style XXXTentacion. Ok, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté un petit peu quelques idées pour toi, tes instrus. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ça c'est une prod que je construis de A à Z vraiment en live dans la formation trap de A à Z du coup. Et du coup, dans cette formation, en bonus, je te donne aussi du coup les 808, ok, le preset de 808, comme ça tu vas pouvoir te faire des bonnes 808. Ok, des bonnes 808 comme ça, je te donne aussi le petit preset du vocal. Qui est assez sympa, et aussi je t'apprends dans cette formation à construire un petit peu tout ça, à faire ton bon mixage, à faire un bon mastering et que tous tes éléments vraiment corrèlent bien ensemble, que tu aies vraiment un bon processing, que ça soit dans la construction de ta rythmique, l'embellissement de tes drums, la construction de tes 808. On voit différentes techniques pour construire des 808, d'accord. Là, j'ai utilisé un preset, tu peux aussi le faire à l'aide de samples. On voit tout ça, faire du bon glide, faire des bons effets sur tes samples ou sur tes midi, sur tes mélodies, que ça soit du tap stop, du mode X. Des EQ, comment construire ton voice tag un petit peu fait maison comme moi je l'ai fait, je te montre mes différentes techniques et comment un petit peu habiller aussi ton track avec différents samples qui vont faire que ton track va sonner comme ça. On apprend aussi à développer un petit peu ton style, je te montre différentes choses qui vont faire que tu vas sonner différentes autres producteurs. On voit ça dans la formation Trap de A à Z, c'est en dessous si jamais t'es intéressé. Merci à tous ceux qui l'ont commencé. Et du coup, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à aller te prendre le mini pack gratuit, ok, dans la description. Comme ça, tu peux un petit peu t'amuser avec 2-3 samples et presets comme ça. Et du coup, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Go off flex.